Salut à tous, c'est Bout de Sardine. Alors on se retrouve aujourd'hui pour regarder du gameplay de Katakuri SP. Et voilà. il a tout dit, Katakuri SP, du coup voilà. C'est pas le tien. Si c'est le tien celui-là ou c'est pas le tien? Non, c'est pas le mien. Mais t'as ouvert sur Katakuri toi ou pas? T'avais pas ouvert sur Kata? Pas pour l'instant. Ah ok, t'attends un peu. Du coup, un Katakuri, pas SP Max, bah 3-4-4-4 quand même. Mais après il va SP Max plus tard. Ok. Avec la pièce, pénétration rapide, mytho, mi-dégâts. Il a quoi en rune, juste pour voir? Esquive, poursuite et précision, combo. Ok. Du coup, un peu de gameplay contre F-Furious. Furious. Après, c'est pas à prendre vraiment en compte parce que j'ai plus de stats de lui. Du coup, ça va pas être trop égal. Genre il va faire des dégâts mais il va pas faire autant que si c'est moi qui l'avais quoi. Tu le détruis? Je pense que ouais je vais gagner. Ok bon on va voir. Clip, j'ai monté. Après des fois je perds. Après il y en a qui jouent esquive, esquive c'est bien aussi. Alors Kata il attaque quand? Après le chopper. Ok. Le petit Katakuri 2 millions 1 avec de la régène, sa poursuite. Pourquoi poursuite? Il a un passif. Il a un passif, je sais plus. Ah si, c'est à chaque fois qu'il attaque, je crois qu'il gagne une marque. Quand un allié attaque normalement. Ou lui attaque aussi, je sais plus. Je sais plus si c'est quand lui attaque qu'il gagne une marque ou pas. J'ai pas regardé ses marques montées, faut que je regarde. Je peux pas te dire. Non, t'inquiète. Le sabot, bon, qui va attaquer 3 fois comme d'habitude. Il va détruire. Non, mais pas détruire ton Luffy. Ton Luffy a pas pris de dégâts. Mais il y a une petite personne là. Bonne app, hein, d'ailleurs. Merci. 30. Ouais, mais le tien il défonce tout. Ouais. Bah attends, mais on verra même pas le T2 de Kata. C'est ça le problème en fait. Bah. Enlève. Ton sabot, non? T'as pas des persos un peu moins forts que tu peux mettre? Bah si, j'ai ma team 2 au pire. Ouais. Bah attends, on regarde là, mais. Peut-être contre ta team 2, ce serait un peu plus. Un peu plus stylé. Le T2. 21,1 millions quand même. Bon, son animation en V2, en vitesse 2, ça va, hein. Moi, j'aime bien. Ouais, en vitesse 1, elle était pas très belle, mais ça va. Faut faire combien de quêtes pour avoir 10 euros 120 combats, MVP et 3 stars le pilote. Après, le 3 stars le pilote, ça dépend des comptes. Mais au moins, les 120 combats et MVP. Et le div 9, bien sûr. Ouais, bon là je pense qu'il va se faire détruire, non? Ouais, je pense. Vas-y, passe. Essaye de mettre ta team 2 si possible pour voir. Bah après, c'est le temps. On peut attendre encore un petit peu. On peut attendre. Mais il n'y a plus de kata. Du coup, on peut passer. 35, bon, du coup, voilà, elle a fait que 35 millions mais... Après, ouais, ton Luffy, ton sabot, ils détruisent tout. Ils détruisent tout. Ouais, ça va être bien. Oui, après c'est pas grave si c'est juste pour voir les dégâts. Uta et Chopper vont pas faire les dégâts. C'est au moins pour voir ce qui se passe. Pam pam pum pala papum. Voir les dégâts. Mais du coup, regardons Katakuri. Il a combien de Moshi là? Il y en a 5. Je crois que c'est les 5 là. Yep. Il va c'est pas le truc là, genre? Ah non, là il y en a 2. Voilà, là il y en a 2. 4. Et si poursuite, il en gagne 4. Ouais, mais attends, mais à quoi il sert le poursuite du coup? Je comprends pas. Je comprends plus pourquoi. À quoi il sert le poursuite? Il est SP max 3-4-4-4.
Je sais plus à quoi il sert, faudrait que je relise le perso. Après lui, c'est un cheater. Comment ça? Genre, bah c'est un cheater quoi. Genre il est arrivé... Pardon. Il est arrivé genre à NR. Non. À Mihawk, il me semble. Et depuis Mihawk, il est premier sur chaque bannière de recharge. Et premier sur chaque bannière. Et ouais, là, tous les persos SP full. C'est ce que tu me disais, ouais. Mais vous pouvez pas le balance au service client? Bon, moi après, je le balance pas. M'en fous. Je le aise. Il doit utiliser le bug de Silence. Ouais. Et sûrement refund Apple que Cosmo m'a dit. Les refund Apple, c'est infini? Tu verras pour pas. Le jeu de demain, BG, j'ai envie de... Moi, il me semble que c'était 400€ par mois, un truc comme ça. 400€ tous les deux mois, un truc comme ça. Je sais pas du tout. Mais il peut taper que 4 fois max en poursuite. Pour le stun T2, faut taper 5 fois. Pour le stun T2, faut taper 5 fois. Faut avoir tapé 5 fois avant qu'il stun T2. Ah ouais? Putain, j'ai zappé. Alors que j'ai eu il y a pas longtemps. Sérieux? Et du coup, c'est pour ça la poursuite. Je vais relire vite fait après, mais... Ouais, c'est sur le passif 2 si jamais. Vas-y, je vais relire vite fait. Attends, mais comment il peut refund Apple alors que le jeu n'est même pas sur le store? C'est pas moi. C'est bizarre. C'est Ryan qui m'a dit ça. Sur TikTok, c'est bloqué sur les enchères. Ah ouais? Oh merde, il y a eu un bug TikTok. Ah oui. Ouais. Le streamer de ouf. C'est bon là? Ouais, je suis pas un streamer TikTok de base. Ouais. Du coup, le combat il est pas de long là. Bah, il va être T15 quoi. Ouais, bah attends, on va revoir un peu. Comme là, il a ses marques. Il a on ses... fait jusqu'au T6. Ouais. Après, ouais, il y a une différence de stats. Il faudrait voir quand toi tu l'es. Bah ouais. Après, il fait des bons dégâts quand même sur le T2, 22 millions. Après, là, il a quand même des petites stats, hein, mais niveau stats, je suis quand même un peu au-dessus. Bah lui, il a eu Saturn SP Max avant sa sortie, genre. Ouais, avec les coffres. Ouais. Et il a quand même ouvert 600 ouvertures sur Saturn pour le terminer. C'est pas mal. 6,9. 9. Ouais, en vrai, il fait quand même des bons dégâts. Là, il commence à te faire... Tes persos tombent un peu en vie. Tu vas te faire détruire. OMG, tu vas perdre. Je suis finito. Ça finito, enfin il va arrêter le jeu. Ça fait un an qu'il me dit qu'il va arrêter le jeu. Ouais, j'ai vu tes DM. Zoroni. Depuis Zoroni. Ça date Zoroni quand même. Ouais, ça date. Non mais là en vrai, si. Comme ça, je vais mettre de l'argent de côté et puis ça va s'acheter un appart. Oh. Comment et ça, comme ça, je t'inviterai. Pour le terminer, il était pas... Oh. Comme ça, je viendrai pas. Pour ça, comment ça, il était pas déjà SP? Non, je pense qu'il était juste 11. Il était SP 10 et il a open 600 ouverture pour le SP 11. À mon avis, il en a eu un trop, toi, mais...
À son compte, il doit être affreux. Cheater, quoi. Tu se sens bas les couilles d'avoir les doublons, il paye pas. Bah après moi je signe un peu les gens parce que je sais pas si c'est vraiment un tuteur. Mais c'est bizarre qu'il arrive comme ça depuis depuis Mihawk et qu'il est premier sur chaque bannière et tout. De toute façon il faut juste tu dis juste au service chiant, bon ce mec il est bizarre, il est toujours premier. Je trouve ça louche et c'est eux qui regardent hein, de toute façon si c'est louche ou pas, s'il n'y a pas des remboursements, s'il n'y a pas des trucs. Ils vont pas dire bon vu que Raiza a dit que ce mec est louche, on le bat. Oui non mais oui bah oui. Prout. Ah slow, ah trop drôle. Bon, regarde juste ce tour et après tu pourras passer. Non mais en vrai les dégâts de Katakuri sont quand même bons. Bon, vu que là il y a une différence de stats, toi ça t'a... c'était pas impactant mais faudrait voir. Mais faudrait jouer sur les NA s'il n'y a pas des beaux gosses qui en ont. Merci Farmi. Oh de faire un sabas slow, non. Merci Farah. Mais ouais non mais en vrai des bons dégâts quand même, plus dégâts que Sabo. Et tu perds. 220 millions. T'as perdu. Ouais. Finto, finto. Non, en vrai, c'est des bons dégâts. Je prends un joueur d'un V1, moi. C'est des bons dégâts. Non, mais il y aura peut-être pas de. Vu que là, ça fait même pas une semaine qu'il est sorti. Il y aura pas de gros joueurs qui ont des. Qui l'ont. Il y a là. Ça va, hein. Il a battu ta team 2. Bah, attends, quoi. Bah, attends, mais c'est. Hey, t'as rebattu. Elro. Voilà mon Zoro Nick Hydro et mon Zoro Xanji alors qu'il est même pas SP. Tu vois, c'est vraiment que la preuve de stat elle est grosse quand même. Il est quoi? Ouais, je sais pas. Il est 2, 2, 3, 4 mon Zoro. Giga riche, il ne peut pas avoir certaines ressources assez rapidement. Mais bon, enfin bref. Mais ok. Mais après, on regardera du gameplay de ton Katakuri. Quand tu l'auras, mec. Okuni, tu sais, il y a quelqu'un chez Léa qui a. Qui a Zoro. Ouais. Kata. Après, c'est pas grave. Tu fais pas une semaine qui est sortie, personne l'a peut-être. Ouais, il me semble qu'il y en a un qui l'a déjà, sûr, mais c'est un noob, un pré-max. Dira que lui, il l'a pas. Ouais, pré-max. Un max. Ouais, mais bon, quel pré-max aussi. Ce serait pas le GOAT invoque. Si c'est moi. Hey, c'est moi le GOAT. Explique à Boot pourquoi faut mettre poursuite sur Kata. Attends, je vais lire. C'est pour son dernier passif, on me disait. Faut que je relise son dernier passif. Bah c'est pas lui, je suis con. Lorsqu'il entre en combat, il gagne 5 couches. Enfin, attends, il transforme 5 boulettes dans un bouclier. Cet effet, lorsqu'il y a envie, au début de chaque tour, chaque couche de bénir massif augmente ses dégâts. Il augmente l'attaque des alliés. Lorsqu'un allié attaque, il a 50% de chance. Hein. Ah, je trouve pas. Et mise les effets. Asaxib lorsqu'il attaque. Ah. Il applique boulette Moshi mobile à sa cible lorsqu'il attaque. Chaque couche réduit la vitesse de 5. Ah, mais c'est pour les couches de boulette mobile. C'est pour les couches de boulettes là. Lorsqu'il atteint 5 couches, il applique emprisonnement Moshi et enlève boulette. Ah, j'ai mal regardé. C'est sur la personne qui faut regarder. Ok, my bad. Non, bah merci mec pour le petit gameplay. Mais de rien. Oui.